Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce Croco Hebdo, 31e journée de Ligue 2, c'est bientôt la fin, et de plus en plus de monde sur le plateau de Croco Hebdo avec nos amis de la première du lycée Pinède, la Pinède de Marguerite. Avec nos consultants, ils sont là, eux. Olivier, Patrick, ça va les gars? Ouais, ça va. Ça va. Très belle coupe de cheveux. Merci, c'est gentil. Et en plus, presque la même. Ça m'énerve. Il y a la couleur. Ça m'énerve un peu. Mais vous savez que vous pouvez vous faire la même couleur? Ça existe. Ça fait. Alors, il nous manque juste deux invités, parce que quand on a les deux, du coup, on en a zéro. Ils doivent faire l'entraînement invisible. Ouais. Ils sont invisibles, je vous le confirme. Comme l'âne, aimez-vous, on peut les applaudir, et Mario Bonbouille, ils sont à nos côtés, voilà, pour l'instant, représentés par le crocodile. Allez, peut-être qu'ils seront là pour la deuxième partie. On essaye de les rechercher, de les réveiller de la sieste, puisqu'on enregistre l'après-midi, vous le savez. On va revenir sur cette 31e journée, une 31e journée marquée par un pas si mauvais résultat que ça. Chers amis, mais en même temps, un résultat qui nous éloigne journée après journée de cet hypothétique espoir d'une montée. Olivier, enchaîné. Je crois que c'est cuit. Non, le scénario, c'est vrai qu'il est assez catastrophique pour les crocos, mais bon. Quand vous êtes à 10, à 26e minute et sans gardien, c'est compliqué. On s'en sort bien avec un match nul, parce que ça aurait pu prendre un scénario tout autre. Bon, après, comment faire là? Ça y est, les trois premiers sont. On va revenir sur le match, cette saison qui commence à sentir. Mathématiquement, tout est possible. Voilà. Certes, oui. Ben, disons que je crois que là, tout le monde un peu à Victor Zunka pour le choix qu'il n'ait pas pris un deuxième gardien de but. Mais je crois que bon, il a eu raison, il a pris le choix, il fallait gagner un Arles à tout prix. On n'a pas gagné, mais c'est comme ça. Et je crois que bon, Merville a fait quand même une grosse erreur là. On doit quand même maîtriser ses nerfs et je crois qu'il a pénalisé l'équipe. Tous les deux, vous voulez parler du match. Hein. Vous voulez pas me parler de la situation du Nîmes Olympique qui est que, il reste 7 matchs. C'est dur. Je pense que pour la Ligue 1, c'est un peu short. Mais je crois que le match qui suit... accroché hier soir encore. Hein. Oui, juste, on a vu. Ouais. C'est effectivement... Quand accroché au Havre, on avait vu les Havrais chez nous la semaine d'avant. Chez eux, bon, ils n'ont pas gagné, mais... Mais je crois que les regrets, c'est surtout la non-présence de Nourri le dernier match contre le Havre qui nous a pénalisés parce qu'on a vu le match très très plein qu'il a fait contre Arles-Avignon et je crois qu'on s'est pénalisé tout seul. Alors remercie David Dagnon, on avait quelques images d'avant-match, hein. Je ne sais pas si vous les avez vues, voilà dans le couloir à Avignon puisque Arles-Avignon, ça se joue à Avignon, Arles-Avignon Nîmes Olympique avec le président Salerno qui avait démissionné mais il est toujours là, c'est toujours lui le président. Faut pas chercher à comprendre. Et donc ici les crocos à l'échauffement, un terrain qui est sujet au Mistral. Je sais pas si on avait vendredi soir, j'ai pas vérifié. Et l'ami Aurélien Bosch, Mathieu Robaille. On va regarder la compo de cette équipe-là. Et le plus de cette compo, il faut aller chercher en dessous. Effectivement, le coup de Victor, on va l'appeler comme ça, c'est que sur le banc, il n'y avait pas le deuxième gardien, Haïdar Al-Shaibani. C'est vrai qu'on ne l'avait jamais vu rentrer en cours de match, hein, Haïdar Al-Shaibani. Mais il y a toujours un gardien de réserve, un deuxième gardien. Il était du déplacement quand même. Il était du déplacement. Parce que sur la première feuille de match, il est aligné, Al-Shaibani. Voilà. Et au dernier moment, Victor tente un coup de poker. Il ne le met pas. Et on va voir que ça aura une conséquence sur la suite. Alors, revenir sur la compo avec un quatuor d'attaque plus classique. Hein, Granic, Nourri, Benezé et Robaille à la place d'Ogunbiyi, qui était sur le banc et qui est toujours attendu sur le plateau de TV Sud. Boubi Benyaya, on verra que Benyaya c'est intéressant et c'est important puisque c'est lui qui remplacera Merville. Sidi Bé, Poulain, Bosch, Fanchon, ça c'est le quatuor de défense assez classique. On jette un œil sur la composition de l'AC Arles-Avignon avec un certain Ludovic Butel qu'on connaît bien à Nîmes. Et Quentin. Puis d'autres joueurs qu'on connaît bien, Nîmes et Quentin Ipsom qui était sur le banc. Qu'on connaît bien également pour avoir beaucoup suivi Arles à l'époque, plus arlésienne que Avignonano. Je sais pas comment vous dites déjà maintenant.
Arléo-Avignonnet. 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 Voilà, donc. Notez quand même la présence de Corrèze aussi. Pour la première présence fois de Corrèze sur le banc, un ancien Arlésien. Corrèze, de retour après une très très longue blessure, les croisés, on sait à quel point c'est long et c'est difficile de revenir. Donc, ça, c'était un retour qui faisait plaisir à tout le monde. Et on va tout de suite comprendre ce qui s'est passé pendant ce match-là avec cet événement autour de la 30e minute, je crois que c'était là, 27e 26e minute, expulsion de Cyril Merville. C'est Christophe Chey qui vous raconte tout ça. Vendredi, c'était la soirée des premières au Parc des Sports d'Avignon pour la rencontre comptant pour la 31e journée de Ligue 2 entre l'AC Arles et le Nîmes Olympique. Au quart d'heure de jeu, un tir contré de Riyad Nouri flottait dans la surface provençale avant de trouver malencontreusement l'avant-bras droit de Julien Cardi, Cédric Cotterel indiquant immédiatement le point de pénalty. Premier coup de pied de réparation accordé cette saison au Nîmois, transformé sereinement par le meilleur buteur croco, Vincent Granic, pour son 14e but en championnat. Alors que les visiteurs semblaient prendre le match à leur compte, à la 24e minute, un long service de Cardi pour le néo-montpelliérain Jonathan Tinan conduisait Cyril Merville à une sortie hasardeuse, le portier nîmois percutant l'attaquant racéiste. Carton rouge immédiat pour le gardien gardois et dilemme pour Victor Zunka qui avait choisi de se passer de gardien remplaçant afin de disposer d'un plus grand nombre de joueurs de champ. C'est ainsi que Mohamed Ben Yahia, milieu défensif de formation, faisait ses grands débuts dans les cages nîmoises. J'avais pris le risque de ne pas mettre de gardien, de deuxième gardien, parce que c'est vrai que j'étais venu pour gagner, je n'étais pas venu pour faire un autre résultat. Et je pense qu'on avait fait le plus dur, puisqu'on avait ouvert le score et que bon, on était bien en place, on posait pas mal de problèmes à cette équipe d'Arles-Avignon. On a quand même des joueurs qui sont très habiles, mais malheureusement, dans les 20 derniers mètres, on n'a pas fait toujours les bons choix. Souvent inquiétés en fin de première période, les Nîmois réduits à 10 n'allaient pas pâtir de leur infériorité numérique. En seconde période, les hommes de Victor Zunka étaient même à deux doigts de doubler la mise à l'heure de jeu. Mais 6 minutes plus tard, la défense nîmoise se faisait piéger par un mouvement collectif arlésien, Maurice Dallet glissant le ballon à Raphaël Caceres pour l'égalisation. Un partout, le score allait en rester là, malgré de nouvelles balles de but pour les crocos et un Ben Yahia impeccable en gardien de fortune. Nîmes a joué grandement sa chance, après ils sont restés bien solidaires. Moi j'avais envie de gagner ce match, donc on est passé pratiquement en 5-5. Donc il fallait aussi mettre de la pression. Voilà, on était un peu désordonné, en voulant bien faire, mais un peu trop désordonné. Voilà. C'est peut-être le mot, désordonné. Avec 5 points pris lors des 5 derniers matchs, les Nîmois vont devoir remettre de l'ordre dans leur jeu dès vendredi au Costières face à Dijon, afin d'entretenir le mince espoir mathématique de monter. Mince espoir mathématique, on y reviendra tout à l'heure. On va s'arrêter sur ce match avec ce pénalty déjà. C'est le début du match et un pénalty plutôt sympathique. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a main dans la surface, donc vous allez me dire quand il y a main. Mais en même temps... Il a subi plus qu'autre chose. Oui. Ça aurait été à l'inverse, on aurait crié au scandale. Oui. C'est le premier de la saison. Et le premier de la saison. C'est vrai. Il y en avait d'autres des plus. Il y en avait d'autres des plus criants. Ouais. Là, ça lui revient dessus. Il ne fait pas exprès. Il essaye d'enlever la main. Surtout, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a à peu près pas de Nîmois à 40 mètres à la ronde. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci, monsieur l'arbitre. Pour le coup, on n'avait pas forcément besoin de ça. Mais le pénalty est marqué par Granic, qui du coup met son 14e but. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et du coup, son vrai retour titulaire pour Vincent Granic. Et alors, la grosse action, hein, la grosse affaire, c'est cette sortie, on peut le dire, à la Schumacher, hein, Schumacher de notre ami Cyril Merville. C'est une longue ouverture qui surprend même le caméraman de Bein Sport. Et hop là, on va le voir au ralenti. Je ne sais pas s'il en rajoute lui ou s'il est touché lui-même, mais il a pu se faire mal sur le coup. Mais il sait qu'à ce moment-là, il a fait une erreur. On comprend pas, ils sont deux au duel, on ne sait pas pourquoi il sort. Pourquoi il sort en plus alors qu'ils sont déjà deux sur lui? Je ne sais pas, il n'y a que lui qui pourra répondre. Par contre, il n'a pas volonté de faire mal au départ, mais quand il est lancé après, il ne peut plus. Heureusement, il retire un tout petit peu son pied, mais sinon, je crois que ça aurait pu être vraiment beaucoup plus grave. Parce qu'après, il va reprendre le jeu, le joueur, mais...
Pour faire une faute comme ça, il ne faut pas être concentré dans la rencontre parce qu'il est sorti d'un seul coup. Donc je pense qu'il devait être ailleurs pour faire un attentat comme ça. Et qui non, a il a simplement à avoir le ballon. Il a raté son appréciation était mauvaise. Ouais. Très, très mauvaise appréciation qui coûte vu. Cher au Nîmois. Alors on va le voir, puisqu'on ouais, vous montrera tout à l'heure les actions dans les buts de Ben Yaya. On va essayer de les regarder tout de suite d'ailleurs, puisque Mohamed Ben Yaya va parfaitement remplacer son gardien titulaire. Mais c'est surtout que du coup, il y a un joueur en moins. Quoi. Alors, je ne sais pas, vous saviez que Mohamed Ben Yaya avait ces qualités-là de gardien de but, de sérénité. Absolument pas, je crois que personne ne le savait. Je crois qu'il a fallu en choisir un. Je crois que ça a été vite fait, ils y ont donné les gants et le maillot. C'est toi. Allez, je crois qu'il a été très bon. Ouais, je crois désigné volontaire. Ouais, mais... Il a prouvé que bon, il n'avait pas le trac. Ça, c'est pas évident de changer de rôle comme ça, surtout qu'à ce niveau-là. Et moi, j'ai été surpris aussi par les Arlésiens qui n'ont pas su cadrer énormément. Il y a la bonne sortie. Ils ont été, la bonne, ouais. La sortie en tout cas. Et le fait de mettre Ben Yaya, ça permet aussi de pas créer de changement d'entrée. C'est-à-dire que si on sort un défenseur, si on met un défenseur dans les barres, on est obligé après de faire entrer un nouveau défenseur. Alors que là, c'est Nouri qui a juste glissé d'un cran et oui, voilà. Qui était plus défensif. Voilà. C'était beaucoup plus simple pour Victor Zonka. Quoi. Alors ce que ça montre aussi quand même, bon, sans vouloir en rajouter pour les hommes de Franck Dumas, c'est que c'est pas très dangereux en ce moment à l'Avignon. Ouais, à mon avis, ils ne nous ont pas montré grand-chose. En tout cas, grosse défense nîmoise. On va le dire comme ça, il est sympa. Il est diplomate, vous avez une vie de diplomate, non, dans une autre... Ah, mais c'est vrai, ils ont bien défendu derrière parce qu'ils ont empêché beaucoup de tirs et beaucoup d'actions se développer. Donc, enfin, là, il y a eu une petite passe en retrait. La seule erreur, ça a été le duel perdu par Benoît Poulin, un des rares qui perd dans la saison et qui a donné le but. Mais qui donne le but, effectivement, ouais. Voilà. Alors, on va regarder quelques actions du Nîmes Olympique, puisque, effectivement, les Nîmois sont restés très dangereux devant. Et ça donne beaucoup d'actions possibles. Malheureusement, impossible de prendre le large. Ça aurait été plus facile, effectivement, à 2-0. Là, on voit Riyad Nouri, je pense. Et là, il y a le geste défensif sur Nouri, là, qui est extraordinaire. C'est du joueur arlésien, parce qu'il avait c'était créé l'occasion pour finir l'action. Donc une occasion, et la granique, là aussi, qui lui aussi il nous a beaucoup manqué contre l'arbre. C'est vrai que c'est pas avec des scies qu'on refait les saisons, mais je crois que le Havre, c'était un tournant et on l'a mal négocié. Mal négocié, oui. Parce que bon, aller chercher le nul à Arles-Avignon, c'est pas forcément un mauvais résultat. Là aussi, une belle action, là, avec... Là, c'est Boubi, je crois, hein, qui s'est mêlé les pinceaux, comme on dit, dans le jargon. Le ballon était trop près de lui. L'ouverture, elle est magnifique. Ouais. On se croirait à Barcelone. Voilà. Il y a des pleins axes. Plein axe, mais on n'y est pas. Et ça donne... Ah, celle-là, elle est énorme. Ouais, mais là, il y a bien un bel arrêt. Étant donné qu'il est gaucher, il était sur son pied droit, le temps qu'il a tergiversé. Et là, à ce niveau-là, il ne faut pas rampeler, comme on dit. Et là, je crois qu'il y a une grosse coureuse. Ouais. C'est celle-là, la belle. Aussi. Oh, il y en a encore une. Et voilà, et ça ira. Il y aura coureuse dormant qui rentre et qui se retrouve sur le pied droit et qui ne pourra pas donner la victoire aussi. À côté, on va tout de suite écouter rapidement. On en a eu un aperçu. Bien. Eh oui, là aussi, il a attendu pour tirer. Riyad Nouri, on va tout de suite écouter rapidement Victor Zvinka après le match. Vous en avez eu un extrait tout à l'heure dans le reportage. On écoute le coach, dis-moi. Mais j'ai des regrets, parce qu'on doit plier le match, on doit le gagner aujourd'hui. Je suis plus énervé, pas par l'expulsion, mais surtout parce qu'on doit le gagner. Avant le 1-1, on a l'occasion du 2-0. À 1-1, on a l'occasion de gagner deux fois. Donc je dirais que ce match, c'est sûr qu'avec à 10, on doit même faire beaucoup mieux et on doit naturellement avoir les 3 points. Donc c'est une grosse déception parce qu'on méritait beaucoup mieux que ce point qu'on a pris. Moi, je tire un sacré coup de chapeau à mes joueurs parce que je peux vous dire une chose, que c'est pas évident. Parce que bon, j'avais pris le risque de ne pas mettre de deuxième gardien parce que c'est vrai que j'étais venu pour gagner, je n'étais pas venu pour faire un autre résultat. Et je pense qu'on avait fait le plus dur puisqu'on avait ouvert le score et que bon, on était bien en place. On posait pas mal de problèmes à cette équipe d'Arles-Avignon. Et on reste en vie quand même. On a pris un point. Avec les résultats des autres, c'est vrai qu'Angers a gagné. Donc ça, c'est pas grave, on va les recevoir. Donc c'est pas pour moi, c'est pas un souci.
Ce qu'il faut, c'est bien se préparer pour le match de Dijon vendredi prochain et on va jouer notre chance à fond jusqu'au dernier match. Jouer notre chance à fond jusqu'au dernier match. Tenez, on va écouter, on écoutera tout à l'heure Franck Dumas. On va écouter le président de Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazot. Il ne s'exprime pas forcément souvent après match, mais c'est toujours intéressant d'entendre le bon président Jean-Louis. On l'écoute. Je tiens à féliciter les joueurs parce qu'à 10, ils ont été très combatifs. Ils ont allié la technique et l'état d'esprit. On a raté de bonnes occasions. On a joué avec un gardien inexpérimenté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a eu beaucoup de choses contre. Et c'est bon, c'est bien dans l'état d'esprit. Au niveau de là, je suis déçu parce qu'on regarde toujours les résultats des autres et c'était l'occasion de rêver, de, je ne dis pas de revenir, mais de rester encore en course pour donner un peu de piment à cette fin de saison. Rester dans la course pour la fin de saison. Messieurs, je vous propose de faire une pause et puis on revient pour parler des résultats, des autres résultats du classement et de la suite de ce championnat du Nîmes Olympique. A tout de suite. Croco Hebdo, la deuxième partie, et on salue l'entraînement de plus en plus invisible de nos amis comme Lana Mehou et Mori Ogunbiyi. Du coup, vous avez pris la place du joueur. Ça va, Olivier ? On est bien, hein ? Il est aussi jeune que ça va, donc c'est bon. Oui, vous pourriez. Vous pourriez. Le bon match, cher. Nous serions moins crédibles. Le bon match, voilà. Correct. Mais vous, ça va. Jouer simple. Bon, Patrick pour les cheveux gris, moi pour le jeu. Voilà. Pour le jeu. Pour le reste, ça irait. Les jours, je serai à votre place aussi. Et oui. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite. Surtout que bientôt, j'ai plus de voix, donc après, c'est cuit. Alors, du coup, on n'a pas nos amis Comlan et Mouri. Par contre, on a Franck Dumas. Franck Dumas, éternel manager, coach du Stade Malherbe de Caen, qui, on le sait donc depuis quelques mois, est venu traîner ses guêtres du côté d'Arles et d'Avignon pour essayer de maintenir ce club en Ligue 2. C'est pas gagné, c'est pas facile. On l'écoute. C'est un match bizarre. Compliqué à jouer dans le jeu en lui-même. On a fait beaucoup de fautes techniques. Terrain moyen, on va dire. Mais bon, le reste, non, je suis pas. Les choses étranges. Pénalty étrange. Il y a deux mains dans la surface, c'est pas sifflé. Mais bon, Nîmes a joué crânement sa chance. Après, ils sont restés bien solidaires. Je l'ai vu plus tonique quand même. Du mal, on aurait dit qu'il était un petit peu endormi. Là, ouais. On l'a connu plus énervé. Il n'a pas fini d'atterrir de Normandie. Ouais. Je crois qu'il y a le Franck. Bon. Et ouais, il est comme ça, le Franck. Non, mais il est souvent intéressant et drôle. Il a pas mal de distance comme ça, Franck Dumas. Voilà, un des personnages de ce petit milieu du football. Regardez les résultats mis à jour avec, donc, je le disais tout à l'heure, le match nul du Stade Malherbe de Caen, justement, qui sur le sprint final semble marquer le pas. Ça ressemble un peu à ce que fait Lyon en Ligue 1. Le Stade Malherbe de Caen accroché au Havre, mais le Havre, on les avait vus la semaine d'avant à Nîmes, hein, c'est du sérieux, très c'est du solide. Du coup, Guingamp accroché également à la maison. Ce sont les amis un petit peu plus haut. Je les cherche. Alors, Monaco accroché à la maison aussi. Mais il y a une équipe qui marche bien, c'est Angers, qui a battu Nantes à la maison. Et Dijon également accroché à domicile, le prochain adversaire des Nîmois. Mais je crois qu'on peut dire que Dijon, on va le voir sur le classement. Dijon comme Nîmes devront se trouver d'autres passions pour cette fin de saison, à moins vraiment de croire qu'aux mathématiques. 48 points pour ces deux équipes. Regardez, c'est quand même 5 points de retard sur Caen, 6 sur Angers, 7 sur Guingamp. Alors, vous allez me dire que 7 points, ça se remonte, mais il y a quand même 3 équipes devant, hein, Patrick. Oui, ça va être dur, puisque bon, en plus on reçoit Dijon, qui est une équipe qui joue bien au football, qui est entraîné par un ancien Nîmois, Olivier Dalloglio, que je connais très très bien, qui a beaucoup de talent et qui va venir ici pour faire un coup, parce que c'est une équipe qui joue bien au football, hein, qui a eu beaucoup de changements puisqu'ils descendent de Ligue 1.
et qui essaye encore d'avoir le bon wagon sur les derniers matchs. Donc je pense qu'on va assister à un gros match. Et nous, il faut à tout prix, les Nîmois, rebondir. Parce que, comme le disait Christophe Chey, on n'a pris que 5 points en 5 matchs. Ça fait c'est trop peu pour espérer mieux. Et surtout pour les places, pour monter en Ligue 1. Disons qu'on n'aime pas la rue. Olivier, on remet le classement. Vous y croyez encore, vous ? Objectivement ? Non. Non. Vraiment plus. Non. Non, non, il ne fallait pas rater le Havre, il ne fallait pas se rater Arles-Avignon, et les deux, on s'est raté. Donc, après, tu vois, c'est... Ça devient compliqué. On a pris un point là où on aurait dû en prendre 6. Mais oui, tout à fait. J'espère me tromper. Mais regardez, avec 5 points de plus, ça faisait 53 points. Ce n'était pas gagné non plus. Il faudrait plusieurs miracles. Il faudrait que nous, déjà, on fasse un sans faute et que devant, il s'écroule complètement. Donc, ça fait beaucoup de paramètres. Il faudrait que 3 équipes s'écroulent. Hein. C'est ça qu'il faut bien mesurer dans cette fin de championnat. C'est vrai que des fois... quand on est au duel, hein, si une des deux équipes s'écroule, bon, ben, si on fait ses points, ça passe. Là, ça fait beaucoup. Hein. Tout à fait. Voilà, en tout cas, il faut espérer un bon résultat face à Dijon. Ça redonnerait du bonheur, du plaisir à tous les supporters. Je sais pas si on a le. En parlant de supporters, un petit mot, ils étaient quand même 600 au Parc des Sports, à Avignon. Oui. C'est sympa. C'est 10% du. Ouais. Des entrées au Costière. Et 400 gladiators, et voilà, donc c'est bien, mais bravo, merci d'avoir fait le déplacement. Oui, il y avait plus de Nîmois que d'Arlé ou Avignonnais. Hein, tout à fait. Faut dire les choses. En tout cas, d'Arlésiens, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'Arlésiens. Avignonnais, certainement, mais Arlésiens, très peu. Alors, j'en profite pour vous donner une information donc, transmise par le club, hein, par Sandrine Gazot. Donc, avec Nîmes Olympique qui s'associe à la table ronde française qui organise. Avec l'association Les Voiles de l'Espoir, une semaine de voiles destinée aux enfants en rémission de cancer ou de leucémie. À ce titre, Nîmes Olympique invite des membres de cette association pour passer une soirée d'évasion. On va permettre à un de ces jeunes de donner le coup d'envoi du match, donc de ce match vendredi. Face à Angers, vendredi, Dijon. Face à Dijon, pardon. Dijon, Angers, ce sera plus tard. Vendredi, Angers, ce sera pour la suite. On ira à Dijon, non ? À Angers. On les reçoit. On les reçoit aussi. Ce sera le match. On soit Angers, Auxerre et Monaco. On va regarder quelques statistiques préparées, concoctées par notre ami Christophe Chey avec les remerciements à la LFP, avec Cyril Merville qui arrête sa belle série de toujours premier en temps de jeu. Mais là, bon, ben voilà, pour l'instant, ça va, je ne sais pas combien de matchs de suspension il va prendre. Il va prendre au moins 2, à mon avis. Crains pour lui. Alors, il n'a pas trop pris de carton avant. Hein, donc, mais le geste est vraiment. Le geste est vraiment sévère. C'est un attentat. Je pense qu'il fera appel. Qu'il fera appel. On va le dire comme ça. Et puis, donc, Benoît Poulain derrière, toujours, bien sûr. Pierre Boubi, Vincent Granic, Nicolas Bénézé qui sont là pour faire cette fin de saison. Les buteurs avec le but supplémentaire pour Vincent Granic. Nicolas Bénézé, il va falloir qu'il cravache plus que ce qu'on imaginait pour arriver au début. Il y buts, ouais, il y sera. Il y sera ? Ouais. Il doit des maillots, donc c'est bon. Ouais. Il y sera. Si on disait un mot de Nicolas Bénézé, dont on parle un petit peu partout. Il aurait déjà signé à Rennes, à Nice. En Angleterre, mais à Nice. Mais, ouais. Disons que c'est sûr que c'est un des joueurs qui va partir, qui va quitter le club. Alors, le président nous a lâché que oui, hein, c'était fait. Hein. Voilà, faut pas espérer. Je crois qu'il y a lui, mais je crois que c'est le moment ou jamais de partir. Il a prouvé qu'il pouvait jouer en Ligue 2. Maintenant, jouer en Ligue 1, il va falloir qu'il cravache parce que les effectifs sont beaucoup plus importants. Et ça sera à lui à prouver que ce qu'il a fait à Nîmes, il est capable de le faire ailleurs et dans un autre contexte. Parce qu'à Nîmes, bon, c'est un petit peu l'enfant du club, entre guillemets. Il était un peu couvé, pas par son père, parce qu'il ne fait pas de cadeau, son père, puisque c'est l'entraîneur adjoint. Je crois que pour lui, c'est une opportunité. Cette année. Cette année, voilà. Bon, Nicolas, il n'a pas attendu cette année pour éclater. Non, effectivement, mais il peut rien à son père. Non, mais il est chez lui, il a ses repères. Il n'y a pas forcément de concurrence. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, il a été à Montpellier. On l'a récupéré à Montpellier, nous, quand même. Il a été récupéré, c'est un joueur qui a fait au début ses classes. Il a raconté ça. Hein, voilà, il a raconté. Donc, je crois que Montpellier était trop petit. Trop petit, mais je crois qu'à Nîmes, il a montré, bon, comme un peu au Barça, c'est pas la peine d'être très, très, très grand pour être un très bon footballeur. Je crois qu'il a toutes les qualités pour. Et puis bon, après, je crois qu'on peut parler de Poulain, le capitaine. Olivier. Benoît Poulain, effectivement, ouais, on a vu sur le temps de jeu. Non, puis on peut s'interroger. Après, je pense qu'il faudra. On en parlera en fin de saison, mais Poulain, chaque année, c'est vrai qu'il doit partir. Donc, il vaut mieux attendre la fin de saison pour parler de tout ça.
Granic, bon, il est sous contrat. Nourri, on sait qu'il est retour de prêt. Bon, on fera un point en fin de saison, mais c'est vrai que la reconstruction, parce qu'on va parler de reconstruction, sera compliqué. Il va falloir être très, très performant. Ce sera compliqué parce qu'effectivement, c'est deux joueurs majeurs hein, du groupe. Ouais. Qui, après, si on n'en perd qu'un, Pierre-Paul, bon, il y aura un moins normal. On arrivera toujours avec une bonne trouvaille à sauver les meubles. Mais si on en perd rien que ne serait-ce que la moitié des quatre là, du quatuor qui nous a fait... Je crois qu'il faut être objectif. Benoît Poulet mérite de partir. Bon, il a tout donné au club. Ça fait 6-7 ans qu'il est au club. Il est capitaine. Bon, il a tout prouvé en Ligue 2. Maintenant, à moins de monter, ben, bon, ce qui est hypothétique, je crois qu'il faut qu'il aille voir ailleurs. Hein. Même pour lui, ça sera, c'est une ambition qu'il doit avoir pour progresser encore. Parce qu'à mon avis, il a le niveau largement pour jouer en Ligue 1. Ah, mais tu pars par là, tu perds donc Poulet. Si je vous écoute, ouais, Poulet, Nourri et Bélézier. Donc, c'est le du football. Ouais, encore, ouais. C'est comme ça. Alors, il faudra gérer également le fait qu'il y a eu une bonne saison, peut-être un peu inaboutie, inachevée, et que dans ces cas-là, il faut vraiment retrouver des motivations, il faut trouver de l'énergie, de la ressource au sein du club pour se dire que bon, mais on remet en grande partie à zéro, mais on y va cette fois avec des ambitions. Ça, c'est la personne centrale, ça va être le coach, hein. C'est Victor Zunka qui va être obligé. C'est lui qui ne s'est pas trompé sur le recrutement, tous ceux qui ont été recrutés pendant la saison. Les quatre joueurs, ils ont été titulaires, ils nous ont tirés vers le haut. Et au mercato, c'est quand même un coach extraordinaire. Je crois que si on en est là, c'est grâce à lui. Espérons de tout cœur qu'il va rester au club. Parce qu'il connaît maintenant bien le Nîmes Olympique. En plus, il a cette façon d'agir avec les Nîmois. Je crois qu'il est très près des supporters, des jeunes aussi, malgré un âge. Parce que c'est un coach ancien. C'est quand même le coach qui est le plus ancien en Ligue 2, le plus d'expérience et qui est vraiment l'entraîneur qui nous fallait après quelques années où on a eu des coachs qui sont restés plus ou moins longtemps à la tête de l'équipe. Et chose rare, il fait l'unanimité en fait. Oui. Zunka fait l'unanimité au club. Avec les supporters, l'environnement. Alors, c'est vrai qu'il est très accessible, hein, on a notre séquence à chaque fois. Ouais, mais bon, vous pouvez être accessible et si vous faites que des défaites, à un moment donné, on a connu ça aussi, déjà accessible, mais qui ne gagnait pas un match. Sympa, mais qui perd. Voilà. Et donc, la direction, fait tout, voilà, il a l'air de faire l'unanimité au sein du club, et donc c'est rare, c'est très rare à Nîmes, donc chapeau à lui. Donc il faut que Victor Zunka reste, alors il est sous contrat, hein, donc enfin, oui, le contrat, on sait ce que ça vaut, et il faudra vite pallier les départs de Benoît Poulin et de Nicolas Bénézé. Avec les jeunes, vous allez souvent voir les jeunes. Pour la réserve, je l'ai vu un petit peu. Bon, la réserve. Ça souffre, elle souffre déjà la réserve. Bon, heureusement que Nourri a joué avec la réserve il y a 15 jours à Muret. Ils ont gagné 3-0, donc 2 buts de Nourri. Pour le club, il est primordial de rester en CFA2. C'est pas fait, c'est pas fini. Là où on souffre, c'est un U19. J'ai vu une paire de matchs, bon, contre Monaco en Coupe Gambardella, qui est quand même un des meilleurs clubs. On est allé jusqu'au pénalty. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est sur 2 ou 3 ans. Ce n'est pas dans l'immédiat qu'on pourra compter sur quelques jeunes qui vont exploser comme ça du jour au lendemain. Donc, il va falloir pas se tromper dans le recrutement et en espérant qu'un ou deux jeunes explosent. En espérant, hein, oui, parce que là aussi, on peut en parler, hein, notamment au niveau de tout ce terreau, ce réservoir de milieu défensif dans lequel Victor Zvenka puise, mais... Et puis, il change un peu. Hein, encore qu'on n'a pas à se plaindre, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont sortis. Il y a Sinondou, Parpex, Adou, Parpex, tous ces jeunes sont sortis. Benyaya cette année, Ben Saïd qui a pointé le bout de son nez. Qu'on avait sur ce plateau bien il y a sûr, pas si longtemps. Non, franchement, on a pas mal de jeunes là. Ouais. Il y a pas mal de jeunes, mais enfin, il n'y en a aucun qui s'impose absolument. Plus, voilà. Et moi, il y a deux gardiens que j'aime bien, les deux jeunes qui arrivent, Michel et Gallon, qui sont deux jeunes de 19 ans. Là. Ils font beaucoup de talent, qui peuvent, bon, peut-être pour être en un, mais qui peuvent faire un bon second sans aucun problème. En tout cas, Chaibani arrive en fin de contrat. Donc, ouais. Bon, on fait tout ça, on aura le temps d'en reparler. Non, mais disons, étant donné que, bon, nos joueurs... Par contre, hein, je profite de vous avoir, et il nous reste 2 minutes, et on n'a pas les joueurs, ça vous avez compris. Pour ce qui est de l'attaque... du côté de Romain Thibault et du petit Ripart. Il y a eu des bons moments dans la saison. Enfin, il n'y en a aucun des deux qui a absolument fait la démonstration. C'est dur, disons, c'est très, très, très dur. Il leur faut encore du temps. C'est vrai que quand on veut vraiment percer, il faut essayer d'être au maximum d'entrée. Là, il faut beaucoup, beaucoup d'expérience. Et on voit Nourri qui a été prêté. Il a 28 ans. Il a quand même bourlingué. Et il apporte énormément à cette équipe. Mais lui aussi, si on risque de le perdre, puisqu'il est encore sous contrat avec... les Italiens. C'est rare que des jeunes de moins de 20 ans qui arrivent à exploser au poste d'attaquant. Quoi. Ouais. C'est très, très rare. Donc, je pense qu'il va leur laisser quelques années. Thibaut, on sait le potentiel qu'il a. Du talent, hein. Voilà. Ripart, il a un énorme potentiel.
Il faut juste les encadrer, les faire jouer de plus en plus. Chaque saison, il faut qu'ils gagnent un temps de jeu. Et puis voilà, et puis ce sera des bons attaquants. Mais bon, pour le moment, on ne peut pas compter que sur eux sur une saison. Ce n'est pas possible. Ouais. Allez, merci messieurs. On se donne rendez-vous pour les Costières. Ce sera vendredi soir à 20h. Attention, on retrouve les horaires habituels après le match décalé de lundi dernier. La réception de Dijon. Dijon est derrière nous au classement, mais à la différence de but, le même nombre de points. C'est une équipe solide, vous l'avez dit. Olivier, qui descend de Ligue 1, qui a beaucoup souffert l'année dernière en Ligue 1, qui a souffert en début de saison, mais qui finalement fait plutôt un bon parcours. Les adversaires directs, on va rester quand même avec ce petit espoir mathématique pour la montée, les Canets qui reçoivent le Racing de Lens, Angers qui se déplace à Niort, et puis je cherche évidemment, c'est en bas, Monaco qui ira défier Auxerre et Nantes qui ira à Châteauroux. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous tous. À une dernière info. On dédie l'émission à Les Melons, peut-être. Oui, pourquoi ouais. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Oui. Ah, ben voilà, c'est pour ça qu'il m'a regardé bizarrement tout à l'heure. Là. Salut Alain, bon anniversaire à toi. Ouais. Je ne sais plus quel âge ça te fait, mais ça fait un peu plus qu'à moi. Donc ça me rassure également. Merci à tous d'avoir suivi Croco Hebdo. À très bientôt sur TV Sud. Et allez, Nîmes. Allez, Nîmes.